Après, moi, j'ai mes projets, mes projets personnels qui sont en train de monter. Là, ça va bientôt sortir. Donc, c'est officiel, je peux le dire. Bientôt. Je vais pas dire la date, mais je te le dirai à toi. Comme ça, tu pourras. Oui, tu me gardes exclu. Voilà. Bientôt, je sors ma ligne de sac à main. Waouh, mais ça c'est énorme. Parce qu'il me semble que tu m'en avais parlé, mais c'était en off. Voilà, et ça. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir. Alors, tu le sais que tu vas être critiqué. Ah bah bien sûr, voilà. Bien sûr, mais ah, bon. Bah oui, bah bien évidemment. Oh mais mon Dieu, Charisma sort une ligne de sac à main, mais enfin, elle n'est pas styliste. Pourquoi des sacs à main? Mais c'est invraisemblable. Oh mon Dieu. Ah mais Dieu. Voilà, c'est ça. Mais mon Dieu, elle se prend pour je sais pas qui. Elle se prend pour Kim Kardashian version française. Voilà, c'est ça. Je le prends pour Kim Kardashian. Non, mais en fait, ce qui est bien avec cette ligne de sac à main, en fait, c'est que moi, ça fait déjà longtemps que je suis attirée par la mode. Je sais. Les sacs à main, pour moi, c'est un outil essentiel pour la femme. Oui. Et je voulais vraiment créer ça. Et j'ai eu l'opportunité parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aide, en fait. Elle m'aide, en fait, parce que, je sais pas comment t'expliquer, elle m'aide. Et en fait, ensemble, on a trouvé un designer. Donc, en fait, en plus, c'est même pas des sacs à main de gnognotte, c'est vraiment avec un beau designer. Ils sont un très, très C'est-à-dire design, que moi, pour faire taire les mauvaises langues, tu n'as pas acheté des sacs à main, je ne sais où, au Japon ou en Chine, et tu vas pas changer les étiquettes pour marquer Charisma. Non, c'est vraiment un sac à main fait sur mesure, c'est un vrai design, c'est du cuir, c'est avec vraiment de la matière première de première qualité. Ça se dit. C'est pas grave. C'est vraiment avec de la vraie matière première de vraie qualité, ça fait vraiment du cuir, du velours. C'est soft, c'est super beau. Moi, je les adore, ça vient de moi et du designer, et on l'a fait en collaboration. Oui. Et ils sont vraiment très très. Mais alors pourquoi les sacs à main? C'est vrai que t'aurais pu sortir un parfum, t'aurais pu sortir des extensions. Parce que les sacs à main, en fait, moi je trouve que c'est peu commun. Et j'aime bien faire dans le peu commun, moi. Ouais, parce que comme ça me distingue. Et faut savoir qu'en fait, qu'avec ces sacs à main, vu que j'ai créé mon association, il y a une partie des bénéfices qui vont être reversés pour les sacs. Une partie des bénéfices des sacs à main qui vont être reversés pour mon association, comme ça on pourra lancer. Ah, mais c'est bien, ça veut dire que quand on achète un sac à main Charisma, voilà, y a une partie des bénéfices qui sont reversés. Qui sont reversés à mon association chez Van. D'accord. Et comment tu l'appelles, cette marque de sac à main? Bon, c'est pas très commun. Je l'appelle Charisma. Mais attention, oui. Faut savoir que le logo, en fait, ce sac à main, c'est vraiment mon histoire. Par exemple, il y a des ronds qui représentent, par exemple, l'étiquette du Népal. Enfin, c'est vraiment en collaboration avec mon histoire avec le Népal. C'est pas quelque chose que j'ai fait, oui, comme ci, comme ça, comme ça. Non, j'ai vraiment pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai mis plus d'un an à la sortir quand même. Donc, il y a même beaucoup, hein. On va dire ça comme ça. Et c'est vraiment en collaboration avec mon histoire. Donc, c'est pour ça, Charisma, en plus, je trouve ça. Charisma, à la base, c'est joli, mais il n'y a pas beaucoup de charisma. Tu vois, comme ça, je pense que les gens, après, ils ne répondent pas. Bref, on s'en fout. Ah, bah, pour le coup, c'est vrai que c'est identifiable. Voilà. Très c'est, en fait, c'est par rapport à mon histoire. Et c'est pour ça, en fait, je l'ai fait. Comme ça, après, ça va à mon association. Enfin, tout est lié, en fait, à mon histoire, à mon association, pour aider les gens. Et alors, c'est quoi un bon sac à main pour une femme? Bah, c'est ça comme Charisma. Non, tu t'attendais pas à cette question, je vais te la reformuler. Bah, j'arrive pas à poser ma question. Bah, y a qu'avec toi que j'ai toujours des moments dans les websam extraordinaires, quoi. Tu me communiques. Non, mais si, pour moi, les sacs à main, en fait, le sac à main, c'est un atout. Comment dire ça? Voilà, merci, t'as compris ma question. En gros, je voulais te dire, une femme a besoin de quoi comme type de sac? Parce que souvent, une femme, elle a des fourre-tout, elle cherche le mascara, les clés, les papiers, oui, voilà, on trouve c'est ça. Rien. En fait, nous, on va faire des rangements bien spéciaux, parce que même moi, tu sais, quand j'ai un sac à main et que je cherchais mon portable, mes clés, enfin, c'est gros bordel. Mon sac à main, c'est un bordel. Donc, c'est pour ça, en fait, dans mon sac à main, il y a des rangements, il y a des trucs bien spécifiques. Il y a la pochette de portable, la pochette des clés, comme ça, on perd plus rien. Donc, vous avez vraiment pensé ergonomie, quoi, en créant les sacs. Voilà, on a pensé. À ça, on a pensé au design aussi, c'est du cuir, mais enfin, je peux pas te montrer les croquis, mais tu verrais. Ah, j'aimerais, t'as pas un petit croquis là? Non, je peux pas montrer. Alors, c'est quoi le style en quelques mots? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va retrouver plus des pochettes de soirée, des sacs? Il y a les pochettes, les sacs, et il y a aussi le grand sac pour mettre les cours. Ah oui, le sac tote. Voilà, c'est ça. Après, moi je connais pas trop les mots. Et c'est quoi la fourchette de prix? Combien il va falloir débourser en gros pour s'offrir un sac Charisma? Et 600 euros. Entre 200 et 600 euros. Mais c'est vraiment des beaux sacs. Et c'est... Donc c'est voulu de te retrouver, de te positionner sur un tarif comme celui-ci? Oui, c'est comme ça, en fait, on cible une certaine clientèle. D'accord. Mais alors la clientèle qui consomme la télé-réalité et qui nous regarde peut-être là en ce moment même, ce serait leur cadeau de Noël et leur cadeau d'anniversaire. Mais voilà, tu réponds avant même ma question, mais c'est quand même un budget, 200, oui, c'est, 300, c'est 400 euros. C'est un budget, mais après, bien sûr, il y aura des actions, tout ça, pour des réductions pour que mes fans puissent
puisse aussi les acheter, parce que je pense surtout à eux aussi. Bah oui, parce que j'imagine qu'ils vont vouloir en acheter. Même moi, quand on m'a dit les budgets, je me suis dit, ouais, ça fait un peu cher quand même, mais bon. Bah après, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout, voilà. Tout faire. On peut pas avoir la qualité, on peut pas avoir la qualité, la matière première. Ah voilà, tu peux pas être à 100% accessible et être à 100% dans la qualité. Faut faire des choix. C'est ça. Et j'imagine que tu as opté pour le choix de la qualité.